Et salut à tous, je vous retrouve pour faire une bonne demi-journée de plantation. En tout cas, une grosse session de plantation, puisque c'est maintenant qu'il faut planter ces légumes d'été. Donc voilà, comme vous voyez derrière moi, je vais prendre pas mal de petits plants que j'ai préparés. Donc vous allez voir comment ceux que je vais sélectionner. Et puis ensuite, on va se mettre sur une plate-bande pour compléter celle-ci avec ces petits plants. Voilà, donc comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais dans le potager de la Mélésa. Avant d'y aller, je prends un peu de force, hein, vu que c'est la saison, je vous montre. Voilà, des belles petites feuilles. Elles sont super tendres. Un vrai régal. Allez, c'est parti! Alors on va voir d'un peu plus près ce que je vais planter. Donc ici je vais pas prendre toutes les tomates, mais c'est des tomates grappes. Alors j'aime bien parce que ça fait des fruits en grappes. Donc vous avez plein de tomates sur une seule branche quasiment. Et ça a une odeur mais excellente. Ensuite là j'ai des cœurs de bœuf devant. Des petits cœurs de bœuf. Et des Golden Jubilé. Donc je vais tester un peu. Donc je les mets par 4. Vous allez voir pourquoi je vais les mettre par 4 un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite j'ai des Buffalo et Délices d'Or. Pareil, un groupe de 4. Ensuite j'ai de la courge de Nice. La courgette de Nice. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre encore ici? Je vais mettre encore du basilic. Ici, j'ai des choux, un chou de Bruxelles. Ici, deux choux rouges. Ici, des Gold Rush. Encore un peu de basilic. Ici, de la nette. Et des aubergines, quatre belles aubergines d'ailleurs que j'ai. Alors, deux Slim Jean et deux Pursa Purple. Voilà, et ben je vais commencer par planter ça aujourd'hui. C'est parti. Voilà, donc je vais mettre ici. Ici je vais planter donc 4 tomates, 4 plants de tomates, 2 ici et 2 de l'autre côté des poireaux. Alors je commence par faire un trou, un bon trou avec les mains pour bien enfoncer la tomate, car vous savez, il faut bien enfoncer la tomate dans le sol, au moins jusqu'aux deux petites premières feuilles, parce que même sur la tige, sur le début de la tige, ça commence à faire des racines aussi, donc elle aura une meilleure emprise au sol, et elle aura plein de racines, donc elle pourra bien manger en surface, en profondeur, donc du coup elle se développera, je pense, superbement bien. Alors, donc je vous ai dit 4 pieds de tomates tout simplement pour faire un tipi avec 4 cannes qui se tiennent ensemble attachées en haut. Faites deux!